puisque la vie n'est remplie que de tarbades, tels que ces profs qui, avant d'avoir des preuves, me montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal. Je suis accompagné d'eux, armé d'eux, et me vois hal. Mais frérot, qu'est-ce que tu fais hein, c'est pas ton texte. Ça. Comment ça mais tu rappelles quoi à l'époque? Ah oui, merde. Mangeur de pierre, c'est sur la taxe qu'on fait toutes nos affaires. J'en ai ras-le-bol de bouffer de la pavasse à la place des billets dans mes poches, c'est de la crasse. Dans le monde des fortunés, je crois que j'aurai jamais ma place. Les pauvres gens se questionnent pourquoi les A ne sont pas actifs à 100%, qu'un autre s'en a pas envie de couler pour des bons chics, bon genre. Je préfère avoir comme repas des cailloux que de faire le pitre en costard pour un patron toujours en colère. Ah, mangeur de pierre, ah, vendre du bédo pour se sortir de leur calvaire. Oh, applicateur pratiquement sur toutes mes affaires. Mais où j'ai trouvé l'argent? Question l'argent réfléchissant. Peut-être dans la poche des gens. Je suis le crève à la faim, le fréco fou. Je suis un mangeur de pierre, gars. Mangeur de pierre. Et toi, Nemo, tu rappelles quoi à l'époque? Moi, je suis planqué sous une épaisse fumée. Une pensée pour l'espèce humaine. Merde. On se fait plumer par des spécimens. Endetté malgré nous parce que l'État est malhonnête. Endetté malgré tout parce qu'on n'est pas des marionnettes. D'abord on se questionne, chaque seconde mais rien n'y fait. Puis chaque jour on s'étonne, dire que le monde est ainsi fait. Je pensais pas l'homme aussi faible étant gamin. Aussi vrai que l'enfant grandit, que plus personne lui tend la main. On ne s'efface pas, on fait face ainsi. Prie qu'on nous fasse un signe. Ça se détériore et dans ce désordre il faudrait que je fasse un tri. Mais comme tout a un prix, pourvu qu'on tienne le coup. Apparemment y a pas d'intrigue. Qui veulent qu'on se plaigne de tout. Aïe, Nemo. Ma foi vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Maintenant on n'a plus le choix, on veut un grand chez nous, chez les autres. Matt observe pour un simple regard. Les jeunes du ghetto s'énervent, sont prêts à aller au placard. Qu'est-ce que ça, c'est pas ton couplet encore? Oh putain! Qu'est-ce que tu fais? Putain, c'est pas mon couplet les gars. Mais le morceau il déboîte. Alors on y va. Oh! Je le savais, mais j'ai foncé, la tête baissée, pas le temps de penser. T'es-tu déjà retrouvé avec l'envie de tout défoncer? Demander ce que je ferais pour une poignée de dollars, c'est demander à Chichi ce qu'il ferait pour conserver le pouvoir. Bâtard, je cherchais à impressionner personne.